Le ministre de la Culture n'a pas eu de mal à obtenir l'accord du ministre de l'Éducation nationale. Cette fois, Jack Lang profite de ses deux casquettes pour encourager tous les jeunes à ouvrir un livre. Le plan lecture, c'est la création de bibliothèques, c'est aussi de nouveaux crédits, c'est enfin des écrivains. Jack Lang a tenu à avoir leur soutien pour lancer cette opération. Nathalie Darigrand et Dominique Duchâteau. L'intérêt d'un écrivain, c'est que si c'est admirablement parler du livre, d'un livre, par exemple, que ce soit le sien ou le livre d'un autre, faut mieux d'ailleurs que ce soit celui d'un autre, eh bien, par pudeur, disons, à ce moment-là, il peut brusquement susciter la lecture. Il peut montrer que la lecture est une aventure extraordinairement moderne. Des écrivains dans les écoles, il y en a déjà, mais aujourd'hui, les voici tous mobilisés, comme les enseignants dans le nouveau combat lancé par leur ministre commun, le combat pour la lecture. Dès la fin octobre, tous les instituteurs disposeront d'un guide sur les nouvelles recherches en matière de lecture et d'écriture. On y parle de redécouverte des textes, des grands auteurs, de la rédaction, de la récitation. D'abord, faire que le livre et la lecture soit au cœur même de l'école et de l'enseignement. Je souhaite que nous puissions conjuguer tous nos efforts pour réhabiliter pleinement le plaisir de la lecture. On doit lire, on doit ouvrir un livre par hasard. On doit laisser vraiment les gens libres à tous les âges, et donc particulièrement les enfants, libres de faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. S'ils veulent poser un livre, ils posent un livre. Poser un livre, en reprendre un autre, encore faut-il en avoir. Cette année, 20 millions de francs seront consacrés à l'opération 100 livres dans les écoles. Rentrée 93, 10 millions de francs seront débloqués pour créer des bibliothèques, centres de documentation en primaire, comme il en existe dans les collèges. En attendant, une centaine d'écrivains iront rejoindre les instituteurs, et pourquoi pas Prévert, pour dessiner sur le tableau noir du malheur le visage du bonheur.